Mr. Abdelmoula. Yes, my friend. Mister <laughs> Well, well, well. Thank well, you very much. Well, 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 well. Un nouveau épisode, une nouvelle capsule. <coughs> 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 Nous sommes toujours en direct de 2K AOI. Oh, wow, okay. yeah. Et toujours dans l'élan des définitions. Yep. Il euh, y a un copain qui m'a parlé de, de C et de P. et J'ai pas su... Oh, le ça répondre. Pue, <laughs> ça pue, putain. Si, pipi. Oui, bon, elle, elle, elle est... non, non, on l'a refait tellement elle était bizarre. Vas-y. Euh, ça pue un peu, tempé. <laughs> Non. <laughs> Alors, je, je continue encore dans la lancée de nos sujets que dont nous avons parlé. Donc, on a défini le design thinking, on a défini, enfin, euh, brièvement, bien oui, évidemment, on reviendra parler. sur les blocs différents. Euh, donc, on a défini le design thinking avec ses cinq blocs, on a défini le business model, model Canva avec ses neuf blocs. Et je disais que c'est très intéressant parce que tout ça s'abrique les uns aux autres, parce que tout a démarré en même temps et que tout ça a, fait, a été fait par des start-upers, des gens qui cherchaient à ce, de la créativité, des gens qui voulaient apprendre à parler à des gens qui ne comprenaient pas ce que eux racontaient à des gens que eux ne comprenaient plus ce qui se passait sur la planète et tout la là. vie c'est dur donc, même. voilà la vie c'est dur <laughs> donc à un <laughs> moment donné il fallait développer des même outils même pour Karim Bouhri ah, la vie c'est dur. <laughs> dur donc à un moment donné <laughs> oh là, ouais, là, la vie c'est cool <laughs> euh, donc à un moment donné il a fallu développer des des outils donc le business model calva dont je parlais je disais attention c'est de la stratégie pour nous aider non initiés en fait c'est pour, pour synchroniser nos, 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 nos paroles exactement alors comme bon je, je, je dis très souvent mais il a a les copains dans marketing mais c'est 4 P c'est moi Bon, le 4P, le 4P est peut-être encore euh, utilisé aujourd'hui, mais oui, c'est vraiment bon, un... très, non, c'est des, des, fondamentaux qu'il faut. aujourd'hui, c'est un concept incomplet. Exactement. En fait, ce qu'il a, les 4P, pour ceux qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire, mais c'est 4 fois plus le fois. Ah, P, 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 P. P. <laughs> voilà. C'est, en fait, c'est le fameux marketing mix. Euh, et qui te dit en fait quand tu veux lancer un produit euh, tu une entreprise il y a un produit un marché bla bla bla. tu as quatre trucs à vérifier euh, dans ta stratégie tu as P pour le je vais les faire dans déstructurer mais malinage. produit Allez, voilà on par commencer P pour le produit si tu as un produit c'est que ce produit il a un prix donc P pour price s'il a un produit qui a un prix euh, si tu as un produit qui a un prix donc il a forcément un marché donc pour place dans un endroit et si tu as un, un produit un prix un marché ben en fait il faut que tu lui fasses connaître son client est la promotion. Donc, est la promotion donc et dans la promotion et, 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 la, et la place est aussi liée à au, la distribution c'est là-bas où il y a le merchandising et c'est ça donc ça c'est les, les notions 4p à l'ancienne et ça. Où ça va je fais déjà ça c'est internet Ouais. Ah, attends, attends, les 4 P euh, avec nos célèbres, parce que si tu ne peux pas parler de 4 P ou ni de marketing, oui. sans citer nos deux amis… Euh

un changement majeur que le design thinking je fais que le business model moins mais le design thinking plus le design thinking je fais c'est pour te faire faire du centric human oui, du oui, human centric oui. et ben les 4p c'est con et ben ça le fait pas parce que les 4p ça te fait sur ou du product centric ou du service centric dans le meilleur des cas c'est centric euh, service hein. donc du coup les 4p euh, qui l'avènement internet du et, et du de, le internet <laughs> 2.0 ou la, la 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 ça, ça ne savait plus faire parce que voilà le web 2.0 on a des consommateurs on on a repris les marques. On se, on on se, se parle. Exactement. On se connaît. On donne des avis, on recommande. On en hein, reparlera de l'effet du, du web 2.0 sur tout ça. Et donc, du coup, Donc il faut qu'on passe à un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est les fameux 4C. Alors les 4C c'est toujours sur cette logique de 4P mais on l'a amélioré en l'améliorant, on la remettant aussi dans le contexte du digital et dans le contexte du human centric, du, Donc, co du consumer, du customer, et moi j'aime préfère toujours dire human centric parce que même quand on beaucoup en enfin le premier cest à dire que je, je, je fais sauter à nos, nos amis quelques années. je un product service centric, to client centric. Ah. Pour adoucir, non, to H, human sounds correct. Parce que qui connaît un client, il dit bien à un, à un. Mais c'est pas ça. Que... C'est pour ça que nous, on vous reparlera on vous ra Reviens, Karim, reviens Hello. parmi nous, Karim, ah. reviens. On vous reparlera. Premier C, premier C. Donc on vous reparlera du MVP <laughs> et MLP. Le premier, premier C, donc euh, je vous le fais en mode euh, P C. Donc, Zman qu'olo qui m'a quitté mon bled. P je ne pouvais pas la rater. Alors, un P pour produit ou un P pour consumer. C'est pour. C'est-à-dire au lieu, pardon. Donc, tu dis P. D'habitude, tu penses au produit. Là, on te dit non, non. Ne pense pas au produit. Pense au client. C'est consumer. On va dire quoi le deuxième P. D'habitude, on dit du price. On va dire deuxième P, Non, non, non. Mais price, le cost. Où est-ce qu'il C'est ma Le client tu sais. تبيع له ان بري زعما قال واش عنده في دراهمو وشحال بقاو له اليوم باش يقدر يعيش بلا 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 شحال بقاو باش يقدر يشري البرودوي تاعي دونك لازم ندير له ان برودوي لي يوالم هذاك الكوست اللي عنده دونك سي اللي في بلاصه البي euh, في بلاصه العقل لو برودوي سي le client exact le et deuxième le prix, prix, prix ça, ça devient le, le cost coût, le coût pour le client exact et je continue sur la même logique on avait dit prix euh, produit et maintenant the place donc euh, la logique de distribution et tout ça donc je me qu'est-ce fait que qu'est-ce qui fait les étages quest la chaîne de distribution de comme bla 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 où qu'on disponible en fait mais à aucun moment on se posait la question est-ce que le client il y sera le produit donc le convenience Aujourd'hui, on ne parle plus de place, on parle de convenience. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quel est le niveau de le disponibilité degré. voilà en fait c'est la disponibilité mais surtout c'est la disponibilité vs l'effort que le client fait pour avoir accès à mon, en, à mon produit c'est à dire qu'aujourd'hui les marques réfléchissent à, de telle manière à ce que tu ne fasses pas un effort pour avoir accès au produit ok euh, et le dernier P euh, donc on a eu P pour le produit P pour le prix P pour la place et le dernier P c'est la promotion donc la semaine la publicité etc donc oui la publicité c'est cool Kinshufa a une une, 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 une affiche, n'importe un quoi les gens regardent mais voilà donc l'homme en tant que client il veut communiquer dans la conversation exactement et c'est pour communication donc aujourd'hui ça veut dire qu'il faut converser communiquer euh, entre les marques et, tout, et, les, et les consommateurs et c'est pour ça que les marques créent bah, les réseaux sociaux etc., leurs applications c'est etc., pour etc. converser et exactement donc du coup les 4 P qui étaient euh, prix, place, produit euh, et promotion sont devenus donc prix c'est devenu cost euh, place est devenu euh, convenience euh, produit c'est devenu consommateur et promotion c'est devenu communication voilà le grand changement de paradigme que j'enseigne très souvent euh, même dans le design thinking c'est le mindset actuel euh, qui a fait en sorte que, que les 4p ont mergé et muté vers les 4c à cause essentiellement du web 2.0. Oh. voilà, et est à la base, c'est à la base, ça reste dans les mécaniques de réflexion globalement similaires. c'est un angle de vue qui a changé. c'est la position de la caméra qui ne regarde plus de l'entreprise vers son marché, etc. c'est plutôt l'entreprise qui va positionner sa caméra sur la tête du client pour, que, pour se voir elle-même et donc ensuite se remodeler en fonction de son client. exactement, c'est ce qu'on appelle dans... et on en reparlera dans la créativité zoom in, zoom out, zoom in. Voilà. Laisse-moi zoom zoom z'en, dans ma banz banz banz, jump. <laughs> Allez, tu nous dis ciao. C'était oh. fini, ciao ciao. La, 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 la. capsule de définition. Tout est aïe 4P versus yeah. 4C. Thank you for amazing. Bye bye. <laughs> <laughs> ciao Karim. <laughs>